Hello! Je suis absolument enchantée car j'ai ma manucure de Noël. Je vais vous la montrer mieux en gros plan. Je suis allée faire ma manucure chez Tina comme d'habitude. Alors c'était trop sympa parce qu'il y avait deux de mes abonnés qui étaient là et du coup on a vachement discuté. Enfin c'était vraiment le salon quoi où on discute et tout. Et l'une d'entre elles, donc qui s'appelle Alice, m'a incitée à faire la manucure de la Reine des Neiges. J'étais là, vous êtes sûre quand même? Et elle m'a dit, ah oui, c'est Noël, là, faut y aller à fond et tout et tout. Et c'est hyper joli. J'envisage de porter ça toute l'année. Comme toujours, tout dans la mesure, je vous montre. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est une base de nude avec des paillettes un peu blanches par-dessus. Donc j'ai pris en photo les deux vernis utilisés, donc je vais vous montrer. Comme c'est joli. Voilà, je suis absolument enchantée. C'est ravissant, c'est absolument ravissant. Voilà. Et ben maintenant, je vais les mettre en pyjama devant Netflix. Parce qu'il pleut des cordes. Et que j'ai fait quasiment 10 bornes à pied aujourd'hui. Donc, j'ai bien mérité. Peut-être que je vais vous filmer que mes ongles pendant les 10 jours à venir. Parce que je suis tellement contente et je me sens tellement noélique et tellement joyeuse. D'accord, j'arrête, je vous laisse tranquille. Good morning, sunshines. Alors, sunshine, pas du tout, hein. Il pleuviote et surtout, il y a un vent, mais il a décorné les bœufs, quoi. Moi, j'adore quand il y a du vent à Paris parce que c'est très rare. Alors, dimanche 22 décembre, qu'est-ce que nous avons? Chez Diptyque, une bougie. Pommendeur. Alors, je me suis toujours demandé ce que ça sentait. C'est très intéressant. Il y a de la cannelle. Ça va pas être possible. Je déteste la cannelle. Écoutez, chacun son truc. Hein. La cannelle, c'est un peu comme la coriandre. Il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent. Alors moi, j'adore la coriandre et je déteste la cannelle. Et là, franchement, ça sent vraiment les épices de Noël, quoi. Je sais très bien à qui je vais l'offrir. C'est parfait. Et nos amis de Oh My Cream, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Qu'est-ce que j'adore ce calendrier. Il y a un énorme pot de quelque chose. C'est la pâte lavante volumisante au rasoul pur et extrait de rose. Intéressant. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Non, je me demande toujours est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je l'offre? Parce que comme vous savez, je déteste le gaspillage. Donc si je sais que je ne vais pas utiliser un produit, je l'offre directement. Je l'ouvre même pas. Je veux dire, j'offre pas. Enfin, j'essaye autant que possible de ne pas offrir des produits entamés. Je vais regarder pour qui c'est fait, ce que ça fait et j'aviserai. Et voilà pour aujourd'hui, dimanche 22 décembre. Plus de 3 jours avant Noël. Enfin, pour moi, 2 jours. Pour moi, Noël, c'est le 24 au soir. Mais ces calendriers-là, les deux, ils ont 25 jours. C'est la classe.